combine serrure de chenille au 3, à votre avis, VA6 ou VA2T? Donc pour ma part, c'est très simple. Donc je vais insérer le VA6. Je vais venir ici sur la paillette, donc numéro 1. Si ici, j'ai un ressort, je vais la décoder en VA6. Par contre, si j'ai pas de ressort ici, donc sur le numéro 1, à ce moment-là, je vais devoir utiliser le VA2T. Donc ici, là, sur ce modèle, on a 4 palpeurs. Shifter, palpeur, tu l'appelles comme tu veux. Donc ça, c'est la serrure que je trouve complexe. Donc, de par le fait du VA2 et du VA6. Donc, soit vous allez tomber sur l'un, soit sur l'autre. Donc, elle est complexe, mais elle est, une fois que vous avez compris le principe, donc très facile à comprendre. Ici, là, sur les palpeurs, donc j'ai une flèche ici, à droite, et une flèche ici, à gauche, sur chaque donc, palpeur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc en fait, la flèche, elle va t'indiquer le sens où tu vas devoir récupérer ton code. Donc là, on va la crocheter. Donc ici, j'ai un ressort. Là, j'ai rien, je vais faire avec celui-là. Ici, c'est dur. Hop, j'ai un ressort, je passe au suivant. Donc ici, j'ai rien. Ici, j'ai un ressort, je passe au suivant. Le deuxième, j'ai un point dur. Hop, j'ai un ressort, je passe au suivant. Ici, j'ai rien, je prends l'autre. Ressort suivant. 5, point dur. Hop, ressort, je passe au suivant. Pareil, 6, point dur. Ça y est, ok. Donc là, je l'ai débloqué. Hop. Donc pour relever mon code, très simple. Je vais là où je l'ai crocheté. Donc c'était le 1, le sens vers le bas. Donc là, j'utilise celle-là. J'ai un ressort. Donc là, quand j'appuie, la flèche, elle m'indique de récupérer le code ici. Donc ici, 7. Suivant. Pareil. Et j'appuie, je suis embuté ici. Et la flèche ici me demande de récupérer le code ici. Donc ici, 3. Ensuite, ici, hop, j'ai rien, je prends l'autre. On me demande de récupérer le code de ce côté-là. Donc, 3. Donc ici, c'est 8. Suivant. Donc là, je suis embuté. Le code, je dois le récupérer de l'autre côté. Donc le code de ce côté-là, c'est le 3. Et pour finir, donc là, je vais muter ici et je récupère le code là, c'est le 2. Voilà, donc là, j'ai récupéré mon code et j'ai plus qu'à l'insérer dans la machine en VA2EH2 et le graver.